Ici l'Ariège. Ici l'Ariège. Les Français parlent aux Français. Le caporal de Robert vous parle. Les sondeurs, qui depuis de nombreuses années sont à la tête de la pensée unique, ont formé une idée absurde. Ils affirment chaque jour qu'aux prochaines élections, nous n'aurons le choix qu'entre la droite dure et la droite extrême. Certes, aux dernières échéances, nous avons été submergés par la puissance de la démagogie et par les forces du rejet. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la gauche. Moi, inconnu de Robert, actuellement en Ariège, bientôt dernier département de gauche en France, j'invite toutes les femmes et les hommes de gauche à m'y retrouver avec ou sans leurs tracts électoraux. J'invite tous les syndicalistes, tous les humanistes, tous les ouvriers, chômeurs, communistes, front de gauchistes, écologistes, radicaux et même socialistes à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la gauche ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de l'Ariège, à gauche, sur le poste. Vive la République, vive la gauche. Ou pas.